Ok, cette fois on joue dans la cour des grands. J'ai un client anonyme qui veut qu'on transporte un tout petit paquet extrêmement fragile. Je sais même pas ce qu'il contient. Tout ce que je sais, c'est que ça doit être rapide, discret, et que si on le casse, on devra payer de notre poche. Et ça coûte... Non, il vaut mieux pas que je te le dise. Tiens, voilà ton itinéraire. Pitié, pitié, pitié. Fais attention au trafic. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Prenez la deuxième sortie. À 100 mètres, tournez à droite. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Dans Humbleside. Tu pourrais acheter la moitié du village avec ce truc. C'est peut-être un vase Ming. Un manuscrit ancien. Non, ça se casse pas vraiment, ça. Il y est presque. Tiens bon. Et si c'était une clé USB avec dessus des secrets du gouvernement? Ça y est, je stresse. À 200 mètres, vous arriverez à destination. Tu as réussi? Oh, merci, merci! Maintenant, sors ce truc de ma camionnette et va-t'en avant d'éternuer ou de le faire tomber! Non, je veux pas savoir ce que c'est! Allez, dépêche-toi!
Voilà mon livreur préféré. Je suis content de te voir. J'ai une livraison pour toi aujourd'hui. Un truc simple. Le client, c'est un Allemand du nom de Hans. T'as entendu parler de lui ? Ok, parce que c'est marqué qu'il travaille dans le coin, dans les assurances, je crois. Il veut qu'on récupère des dossiers et qu'on lui apporte. Tu connais la chanson ? Les instructions spéciales sont conduite dangereuse encouragée à des fins expérimentales. Quel genre d'assurance vend ce Hans exactement ? À 100 mètres, tournez à gauche. Gare-toi et va récupérer les dossiers. Je vais appeler le client. Bon, je viens de parler avec Hans Liebold. En fait, il ne vend pas d'assurance. Il enquête sur des demandes de remboursement pour vérifier si elles sont légitimes. C'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Il se trouve qu'on a conclu une sorte d'arrangement. Hans mène une étude sur ce qu'il appelle l'évitement de collision et la réaction du pilote au stress. J'y vois surtout une bonne occasion de faire un maximum de pub. Tu me suis ? Hans attend au festival. C'est parti ! À 100 mètres, prenez le virage serré à gauche. À 200 mètres, prenez le virage serré à droite. N'oublie pas, plus tu t'approcheras des autres voitures, plus elles se souviendront de livraison express ! Prenez le virage serré à gauche. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Deuxième sortie. Tu crois
qu'ils ont vu la camionnette d'assez près? À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Nickel! Hans a eu ce qu'il voulait et je suis sûr que je vais recevoir un paquet d'appels sur l'incroyable conduite de la camionnette de livraison express. Il n'y a pas de mauvaise publicité, hein? Heureusement que tu es là. Je ne sais plus où donner de la tête. Ça doit être ta conduite, Livraison Express n'a jamais reçu autant de demandes. Et tout le monde a des instructions spéciales. Tiens, écoute un peu celle-là. Livrer un paquet non identifié à la carrière d'ardoise de Lakehurst. Amener un casque et un harnais 5 points. Ha, ça ne s'arrêtera jamais, hein. À toi de jouer. Ah, et j'ai demandé aussi au gars du salon auto d'ajouter quelques chevaux sous le capot du Supervan. À cause des instructions spéciales, tu comprends? Tu n'as qu'à suivre le GPS, tout sera prêt quand tu arriveras à la carrière. Enfin, j'imagine que ce sera prêt. Prenez la deuxième sortie. À 100 mètres, tournez à droite. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Un paquet en plein milieu d'une carrière déserte. Les gens, des fois, je te jure.
500 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 200 mètres, tournez à droite. Amenez un casque et un harnais. C'est quoi cette affaire? Le harnais est installé et le casque est à l'arrière, en fait. C'est ta taille. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Bon, tu peux te garer et te dégourdir un peu les jambes. Je me demande ce que le client a en tête. Et si par hasard il y avait des caméras dans le coin et que cette petite cascade nous amenait de nouveaux clients, on serait tous gagnants, pas vrai? Regardez-moi ça! Hey, tout va bien? Quelle question, je suis sûr que oui! Bonne nouvelle! J'ai tout un groupe de nouveaux conducteurs livraison express qui vont commencer la semaine prochaine, après avoir vu ton saut! Tu vas pouvoir te reposer un peu. Ce fut un plaisir de bosser avec toi, mon pote. On reste en contact, ok?